Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui nous sommes samedi. Samedi, ah oui, on est samedi. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end et bon courage à ceux qui travaillent. Alors aujourd'hui on va détourner un des nouveaux dailles de chez Action. Oui, ils ont sorti toute une série de dailles et donc moi je m'amuse à les détourner, voilà, parce que ça m'amuse. Bah si j'ai droit. Donc du coup, avant, ouais, je voulais juste vous montrer, vous savez, on est en train de faire le junk là et tout ça. Donc je vous montre juste, il n'est pas fini, il n'est pas fini. Mais vous voyez, ça c'est la couverture. Donc la couverture, voilà, j'ai posé la dentelle, etc. Elle est sublime, hein. Cette dentelle, elle est magnifique. Je suis vraiment trop contente du résultat. Donc vous voyez, j'ai pas fait une tonne de choses, sauf que j'ai mis de la gaze teint au café, etc. J'ai mis un petit sentiment membre de la famille avec une petite découpe chat qu'on m'avait offerte. Un embellissement en rouleau papier toilette que l'on a fait ensemble en tuto. Vous savez, c'est une pochette comme ça, j'adore. Donc accroché avec un petit ruban satin, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mis, comme je vous avais dit, des coins métalliques. C'est pour ça que moi, je m'inquiétais pas de, j'avais mal fait les coins parce que je mets des coins métalliques que j'achète chez AliExpress parce que ce n'est pas cher. D'accord? Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ce n'est pas terminé, donc je ne vous montre pas. Et puis de toute façon, je ne vous montrerai pas tout puisque c'est pour offrir et que la personne à qui je l'offre, je suis sûre qu'elle regarde mes vidéos et donc j'ai pas vraiment envie qu'elle voie tout. Vous voyez, ça c'est une fleur aussi qu'on m'avait offert. J'ai mis tout plein. Vous allez reconnaître les cadeaux que vous me faites. Vous voyez, ça va passer de main en main. Tout ça, c'est on m'a offert, on m'a offert, on m'a offert. La fleur, on me l'a offerte. Moi, j'ai juste rajouté un strass, vous voyez. Et puis, je mettrai de la dentelle sur toutes les pages. Pour information, je vais mettre toutes les pages seront recouvertes de dentelle comme ça à l'extrémité. Et la dernière page, hop, pour l'instant, j'ai fait que ça. Hein. Puis bon, j'ai collé un des embellissements que l'on a fait ensemble aussi avec les rouleaux de papier toilette. Je l'ai collé définitivement sur de la gaze, etc. Vous savez, c'est le petit carnet là avec le petit tag intégré. Voilà, j'ai mis de la dentelle. De toute façon, il y aura de la dentelle partout. Ça va crouler sous la dentelle. J'adore. Moi, le shabby chic comme ça, vintage, j'adore. Donc voilà, hop, ça. Hop, je fais ça, je ferme comme ceci. Et puis là, j'ai fait un petit sceau avec le A comme NJ, comme amitié, comme amour, comme tout ce qu'on veut. C'est la plus belle lettre de l'alphabet. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Donc, ce n'est pas fini, évidemment. Voilà. Donc on avance, c'est une évidence. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance. Donc aujourd'hui, voilà, bon, c'était juste comme ça pour vous montrer que j'avance quand même dans mes choses. Ah ben si. Oui, alors, aujourd'hui, ils ont sorti des tas de nouveaux dies, je disais, et donc dans celui-là, hein, dans celui-ci, donc voilà, ça c'est bien pour faire du scrapbooking, vraiment, vous pouvez scraper les photos, hein. Souvent les gens, ils utilisent ça pour ça, bon, bah moi, je scrape pas de photos, parce que des photos, j'en fais plus, bon, bref, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Angélique? C'est ça. J'avais envie de m'amuser à détourner ça. J'ai droit. Bah, alors, pour ce faire, je vais faire une base 10-15. Alors que, oui, bizarrement, ce die, il doit faire au moins 12 cm de côté. Non, 11. Alors, voilà. C'est pour faire des bases 13-13, 12-12, 15-15, enfin, ce qu'on veut. Hein, d'accord. Moi, je vais faire une base 10-15. Oui, c'est ça. Donc, je vais prendre. C'est une démonstration. Donc, vous attendez pas à des trucs formidables. Hein, d'accord? C'est ça. Je vais prendre une base de craft, alors du cartonné là, hein. Et vous prendrez bien le papier que vous voulez, et puis vous ferez ou vous ferez pas, c'est une idée comme une autre, d'accord? Pour ce faire, vous prenez donc, je disais, le papier que vous voulez, et vous faites, hein, enfin, vous faites la dimension que vous voulez. Moi je vais faire 20 cm sur 15, voilà, hop. Je vais plier en deux pour avoir ma base. Hop, hop. Alors, bougez pas. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche
Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Débloqué, pas trop timide, et une bonne dose de savoir-faire, savoir-faire. Bon, alors, j'adorais cette chanson. Alors, donc, je vais le faire sur du papier blanc, en fait, c'est pour que vous voyez, enfin, pour que vous voyez, mais aussi c'est parce que, voilà, ça me plaît bien, parce que sur le blanc, on peut faire tout ce que l'on veut. Donc, je vais faire ma découpe. Alors, je vais faire ma découpe, je vais essayer de m'appliquer, je voudrais juste, ah ouais, mais non, il n'est pas assez grand pour vous montrer ce que je voudrais. Parce que vous savez que ce die-là, vous pouvez aussi faire. Moi, là, je vais carrément le détourner. Mais vous prenez vous faites votre base, hein, donc de 12-12, 15-15. Il enfin, faut que ce soit plus grand, bien évidemment. Hein, voilà, bon. Admettons, hein, voilà. Je vais passer dans la. C'est pour vous montrer. Enfin, pour vous montrer. N'importe quoi. C'est ça. Pour vous dire ce que moi, je peux en faire aussi d'autres. Hein. Voilà. Admettons, là, ce sera la base de ma carte. Voilà, donc on disait que c'était 15-15. Voilà, je pose donc mon truc dessus et je vais le passer dans la machin. Voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas évident, mon ami. C'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est ça. En fait, parce que je sais pas si, ben, pour ceux qui l'ont trouvé, hein, parce que c'est toujours pareil, on n'est pas égaux face à Action. Face à nos magasins Action. Alors, hop. Ouais. Il y en a qui sont pas gâtés. Bon, moi j'avoue que c'est vrai que je suis gâtée, mais peut-être parce que par chez nous, il y a plus de gens qui scrapent et il y a plus de débit. Je sais pas, je ne sais pas. Je pense que c'est une question de débit dans les magasins, moi. Plus il y a de débit et plus vous avez les nouvelles choses, moi, je pense, je sais pas. Donc du coup, voyez ce qu'on obtient. Donc oui, je disais, voyez, quand vous mettez sur votre base, vous avez une coupe là, on est content. Alors là, vous pouvez faire un cadre, un joli cadre, ou sur un album, etc. Je sais pas, vous faites un joli cadre, vous décorez votre cadre. Et donc, admettons, oh, mais alors, j'ai plus rien, moi. Admettons, donc voilà, ça c'est la base, puis ça c'est l'intérieur. Voilà, vous obtenez ça, vous êtes content, vous avez votre coupe. Voilà, on est très content. Donc moi, je vais récupérer mon cadre là. Donc vous voyez, alors, et puis ce cadre-là, donc. Au lieu de là vous décorez, vous faites une fausse machin. Et puis hop, à l'intérieur, hein, alors dentelle, ce que vous voulez, vous pouvez même mettre un vélum, un calque, un papier, comment, du rhodoïde, hein, faire vraiment une pochette transparente, plastique, comme si c'était une fenêtre. Puis donc à l'intérieur de votre carte, hein, sur l'intérieur, vous posez votre cadre. Puis là, vous y collez vos rectangles de différentes couleurs avec différents messages. Ou alors vous mettez ouais, des photos, des machins. Ou alors vous mettez pas le calme, mais vous mettez que les rectangles. Bah bon, vous avez compris quoi. Bon, ça, c'est si vous voulez faire une base de cartes comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je vais faire. C'est ça. Non, parce que moi, j'ai dit détourner. Alors, détourner, ce n'est pas l'utiliser comme ça. Bah non, détourner, c'est détourner. Alors, donc. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, je vais rien faire d'extraordinaire, mais c'est juste parce que ça m'amuse. Ça m'amuse. Voilà, quand j'ai vu ces rectangles, ça m'a fait penser à quelque chose. Et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà. Alors, je vais, en fait, faire un gâteau. Si je veux faire une recette, je vais faire un gâteau à la framboise caramel. Bah, si j'ai ça. Alors, pour ce faire, je prends mes rectangles. Et puis je vais par exemple, là je vais arrondir les angles. Alors j'aime pas ce truc-là, enfin je l'aime pas. Si je l'aime bien, mais pas pour ça. Donc là je vais arrondir mes angles et je vais monter un gâteau. Bah si, voilà. Bah si, je vais faire ça. Voilà. Bah si. Alors, donc voilà, donc ma colle. Et puis vous allez faire le gâteau de vos rêves, la pièce montée de vos rêves. Hop. Toc. Alors, on peut monter le gâteau soit par-dessus, soit par-dessous. Moi, je vais le faire par-dessous. Alors, pour ça que faut coller, mais pas trop. Enfin, ouais, c'est clair ce que je raconte. Parce que commencer par le haut, c'est pas facile. Donc, si vous commencez par le bas, ne collez pas trop fort. Hein, ou vous laissez une petite main. Vous pouvez même le faire en 3D. Hein. Ouais, enfin, vous avez compris, c'est une idée comme une autre. Attention. Hein. Donc, je vais passer en dessous, moi. Je vais le passer en dessous, vous voyez, comme ça fait un effet, ça fait un effet gâteau, ouais, c'est cela. Ouais. Bah, faut aller chercher loin, mais bon, je sais. Je sais. Voilà, hop, hop. Mais si, comme ça fait une carte un petit peu mignonne, originale. Bah, si, ça change.
Et puis comme ça, vous pouvez faire le gâteau pour l'occasion que vous, qui vous fait plaisir. Merci. Vous faites les tâches qui vous plaît. Vous faites, si vous voulez faire plusieurs parfums, hein, un gâteau arc-en-ciel, bah, vous découpez, vous faites vos découpes là dans plusieurs papiers différents. Vous, hein, bah, si vous amusez, vous faire des jolis gâteaux. Hein, des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, des gâteaux de je sais pas quoi. Hop, voilà, un petit gâteau. Et enfin, dernière partie de la pièce montée. Hein, on dirait même un escalier. On pourrait faire un escalier, puis en haut, il y a une maison. Ah, si. Ouais. Je sais. Hop, ah, si. Ça fait penser à plein de trucs. Pouf. Voilà. On a notre gâteau. Qui est superbe. Voilà. Ah si, bah si, ça fait un joli gâteau. Hein. Donc là, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez soit des mariés, hein, des mariés. Vous mettez, moi je vais mettre une bougie. Alors je vais fabriquer ma bougie moi-même. Je prends un papier. Bon, on disait que la bougie était rose. Bah si. Alors, un ciseau. Vous pouvez mettre plusieurs bougies. Vous pouvez, hein, vous avez compris. Bah si. Alors, je vais faire une fausse bougie. Ah mince, je suis en train de me tromper. Est-ce que je creuse un petit peu, j'arrondis un petit peu là pour faire bougie? Ouais, je sais. C'est ça. Alors, je vais mettre une petite bougie comme ceci sur mon gâteau. Non? On disait que c'était un gâteau de mariée. Ben si. On disait que c'était un gâteau des mariés, hein, et puis qu'ils étaient mariés depuis une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, un an, je ne sais pas, un quelque chose. On fait une bougie avec du glitter, une flamme. Ah si. Attendez, je m'appuie parce que sinon elle va être moche ma bougie. Je voudrais pas que mon gâteau soit. Il faut que mon gâteau il soit magnifique, le plus beau. Il faut que ma recette elle soit réussie. Mais ah si, oui. Bon. Ça a une bougie, on est content, on a une bougie. On n'est pas très bien réussi ma bougie, hein. C'est ma flamme. Hein. Je suis pas très contente de moi. Voilà, hein. Voilà, voilà. Bah, vous arrondissez, vous faites une jolie bougie, une jolie flamme. Ah bah voilà, celle-là elle est bien comme ça. Si elle flambe comme ça, c'est très beau. Voilà. Bon, vous avez compris quoi. Je vais la refaire. Hein. J'aurais pas dû la faire en l'air, c'est malin ça. C'est votre faute ça. Si, c'est votre faute. Et puis voilà, donc ben, c'est tout. Hein. Après, vous faites des coulis. Hein. Vous faites des coulis, vous mettez des perles. Vous, je sais pas. Moi, je ne vais pas faire parce que je suis en dessin, c'est une catastrophe. Hein. Donc, vous faites des coulis. Alors, j'ai peur. Non, si je fais quelque chose, ça va être trop moche. Ah, vous avez compris quoi. Vous avez des dons, vous avez des talents, pas moi. Moi, ce sera du caramel, framboise caramel. Alors, je vais mettre des. Mais si, vous faites des coulis, des machins, des trucs comme ça. Là, vous faites ça bien. Hein, vous décorez votre gâteau. Vous faites des faux coulis avec des vagues comme ça et tout ça. Hein? Faites des jolies choses, même si vous savez faire, vous. Même si. Oui, mais si. Vous mettez des perles pour faire des petits. Comment qu'on appelle ça, là, des confettis sur les gâteaux, là, des machins, des paillettes, des. Je ne sais pas, moi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je ne vais pas le faire, moi. Non, je sais ce que je vais. vous avez compris. Et puis après, vous mettez un sentiment, je sais pas, genre, par exemple. Hop là, tiens, regarde. On disait que c'était un gâteau de mariage. Bah si, on disait ça. Hein. Voilà. Bah, si. Alors, on disait que. Hop. Hein. Oui, je sais. C'est nul. Ouais, bon, bah écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Alors, hop. Admettons. On va prendre quoi comme couleur? J'ai pas des jolis trucs. Hein. J'ai rien du tout sous la main. Hein, c'est ça. J'ai rien. Tiens, je vais prendre ça, une chute de ça. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Oh non, ça va être horrible. Oh non, je sais pas. Oh, j'en sais rien. On essaye, allez, on essaye. Hop. Un gâteau de mariage de 1 an. Hein? 1 an, je dis. De pas longtemps, quoi. Where's my mon amour, mon trésor. Where's my C'est un exemple. Ça peut être un gâteau de ce qu'on veut. Hein?
Ouais, bon, on disait. Hein. Néon Just. Ah, mais là. Donc voilà, hein. Par exemple. Ouais, je sais. Je trouvais que c'est pas terrible. C'est pour détourner les trucs. Ah, si. Mais si. Alors, hop. Just. Oh, regardez, c'est joli. Je sais pas comment le décorer, mon gâteau. J'ai peur de le rater si je fais des coulis de framboise. J'aimerais qu'il fasse caramel. Framboise caramel. J'adore la framboise. C'est mon fruit rouge préféré. Je vous l'ai dit, non? Enfin, je vous le dis en tout cas. Bah si, c'est bon la framboise. Framboise caramel, bah, après vous mettez, voilà, hein, Just Married, par exemple. Par exemple. Hop, sécher tranquille. Et puis donc, on essaye. Ouais, non. Ouais, si, je vais le faire. On disait que c'était du framboise caramel. Alors, pour ce faire, vous faites des coulis. Merci. Alors, j'ai peur. Non, j'ai peur. Je vais faire des trucs horribles. Ah, si. On disait que. On essaye. Allez, on essaye. On disait que c'était framboise, ça. Ouais, je sais. C'est pas tellement framboise, mais. On disait que c'était comme ça. Des coulis. Hein, vous vous amusez, hein? Bah, si. On dirait des dents. Vous pouvez le faire de plusieurs couleurs et tout. Amusez-vous à faire le gâteau de vos rêves. Ah bah ben c'est ça. Bon, c'est un exemple. Après, il faudrait colorier. Faudrait mettre, je vous ai dit, des petites perles. Faudrait mettre. Vous avez compris? Ben, bon, voilà. Ah, c'est ça. Comment détourner ce fameux die? Alors, peut-être d'autres y ont pensé. Moi, j'ai pensé à faire un gâteau pyramide. Comment on dit? Pièce montée? Oui, c'est ça. Voilà. Hein, on peut faire des jolies pièces montées pour faire des jolis gâteaux très personnalisés. On peut mettre des messages. Voilà. Hein, et puis, je vous dis, hein, mettez des dentelles pour faire genre des coulis. Des perles pour faire genre des. Comment on appelle ça? Les trucs, des bonbons là qu'on met sur les gâteaux, quoi. Ouais. Je sais pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des vermicelles, tout ça, là. Vous savez, les petits vermicelles, tout ça, c'est joli. Ou des petites noisettes, hein. Vous faites des semblants de noisettes. Vous faites des semblants de cacahuètes. Des semblants de pépites de chocolat. Ah, si. Oh là. C'est bon. Framboise chocolat. Très bon. Framboise caramel, framboise chocolat. Bon, vous avez compris? Bon, voilà. C'était juste un petit tuto comme ça, du samedi, vite fait. Je vous fais. Mais si, on a droit. Je vous fais tout plein de gros bisous. Amusez-vous beaucoup. Hein. Passez une très belle journée, un bon week-end. Reposez-vous bien si vous êtes fatigué. Prenez des forces, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine idée. Ouais, c'est un prochain partage et puis de la bonne humeur. À bientôt, bisous, bisous, ciao.